Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais le topo très rapide. Là, j'en étais à 25 minutes et j'ai décidé de me servir de vous pour me distraire pendant les 7 dernières minutes pour battre mon record, car je ne voulais pas partir d'ici dans une eau qui doit être, je pense, à peu près 12 degrés sans battre mon record qui était 30 minutes avant à la mer quand je l'avais fait il y avait longtemps. Donc, permettez-moi de ne pas être ultra pertinent lors de cette vidéo et de simplement m'amuser, car il faut savoir que bien que ce soit un entraînement très pertinent à faire de façon ultra calme et consciente, chose que j'ai déjà fait durant les 25 minutes, s'il me reste assez d'énergie, c'est un autre travail de conscience que d'arriver à rester ultra présent alors que là je suis en mode assez faible puisque je tremblote un petit peu et que je suis resté très longtemps, de utiliser ces dernières ressources pour au mieux m'entraîner à me concentrer malgré les difficultés. Car si je parle trop et que j'oublie ma respiration et ma présence, je perdrai très vite l'énergie. Donc là, on est dans une eau à 10, 12, presque 14 degrés. Est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si on voit. Mais bon. Du coup, c'est cool. Je voulais vous dire quelque chose. Alors, une fois, quand j'ai battu mon record de slackline, en marchant le plus sur le plus de distance, c'était une corde de 30 mètres, je crois. On était plein au parc du Pérou, on avait posé des cordes dans tous les sens. Et celle-là, comme elle était 30 mètres, elle était plus haute du coup. Et beaucoup plus, elle bougeait beaucoup plus. Il fallait beaucoup plus d'équilibre pour la passer. Et j'arrivais pas, je faisais que tomber. Et je me rendais compte qu'à chaque fois que je tombais, juste avant, j'avais une pensée négative, j'avais eu un doute, j'avais eu une peur. Et la fois où j'ai réussi à passer, c'est la fois où j'ai fait que me dire om. Et en faisant ça, je me suis empêché d'avoir toute autre pensée. Et je l'ai traversé cette corde. Ça avait été vraiment un moment extraordinaire. Ça m'a rappelé que la fois que j'avais battu mon record dans l'eau, les 10 dernières minutes, tellement j'étais faible, j'avais fait que chanter Alléluia. I heard there was a secret chord that David played and he played the song, etc, etc. Mais là, j'ai encore moins d'énergie pour la chanter. Du coup, je voulais faire un rapport aussi avec le record dans la tente de sudation quand j'avais passé plusieurs heures, alors qu'au début je pensais que j'allais pas tenir. Ben, à un moment il faisait trop chaud dans la tente de sudation. Et c'est que en respirant à fond que je sentais littéralement la fraîcheur venir. C'était vraiment un truc de ouf. Mais là, le problème, en fait, c'est que comme le bassin il est un peu trop petit, j'ai du mal à détendre mes jambes, ce qui me force à me crisper un petit peu. Mais, et si je les mets toutes droites, et ben du coup, j'arrive pas trop à détendre tout mon corps sans que je ne tombe pas en arrière. Peut-être que je devrais me mettre comme ça, du coup. Parfois, j'ai essayé la position de diamant et d'autres, et c'est pas toujours évident. Mais parce que ça fait mal aux jambes, je devrais mettre un lino pour me mettre en diamant. Ou parfois je m'allonge contre la pierre, histoire de me détendre un peu plus. Voyons où j'en suis. 5 minutes que je vous parle, j'ai plus que 3 minutes à vous parler. C'est trop cool. Hein, yoga? Il veut que je lui jette le bâton depuis tout à l'heure, mais je le jetterai pas. Donc, si je terminais par une respiration, ce serait pas mal. Allez, on va essayer d'en faire un bout. Mais comme je tremblote et que j'ai pas beaucoup d'énergie, je n'arriverai pas à faire une apnée.
longue. Même j'en ferai qu'une mini petite. Parce qu'il faut beaucoup d'énergie dans l'eau froide pour ensuite en faire des longues. J'en fais au début, comme j'ai fait une minute tout à l'heure. C'est parti. J'ai bien trop peu d'énergie pour arriver à faire une apnée plus longue dans l'eau. Mais bon, c'était déjà un immense honneur et un immense plaisir que d'avoir fait ça. Donc sur ce, je vois que ça fait 7 minutes. Donc théoriquement, si j'enlève ça, ça voudrait dire que